إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avions fait une ébauche la semaine dernière quant à la décision prophétique de mettre fin à cette épine qui se trouve dans le pied des musulmans, ce danger que représente Khaybar et surtout l'arrivée de ces notables de Banu Nadir qui, après avoir été chassés donc de Médine, lorsqu'ils ont pactisé avec Quraysh et d'autres tribus arabes dans le cadre de la grande alliance Al-Ahzab, les coalisés, l'alliance des coalisés qui avait pour but donc d'éradiquer l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chassé donc ces notables juifs et cette tribu juive Banu Nadir de Médine, car elle a violé le pacte, ce pacte de fidélité qu'il y avait entre les musulmans et les tribus juives de Médine. Ainsi donc, il y avait un certain personnage qui s'appelle Ibn Abi al-Huqayq. Celui-ci faisait partie des grands notables. Je ne sais pas si on avait cité leur nom la semaine dernière. Donc ces hommes-là se sont rendus à Khaybar. Où se situe Khaybar? Oui, mais où ça? Géographiquement, où? Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest? Au nord. Tu as dit au nord? J'ai entendu autre chose. Moi, j'ai entendu hors de Médine, donc... Ah oui, d'accord. C'est pas allé. Moi, j'ai entendu hors de Médine, donc je me suis dit, je comprenais pas hors de Médine, d'office, c'est hors de Médine. Donc, cette cité qui se situe au nord de Médine, au nord de l'Arabie aussi, était une cité juive, et nous avons vu la semaine dernière que c'était une cité prospère, agricole, très riche dans son agriculture, elle a une terre très fertile, beaucoup d'eau, et vous savez que l'eau est un enjeu stratégique pour le développement de l'économie, le développement de l'agriculture, qui était la principale source économique donc de Khaybar, mais aussi Khaybar se distinguait, comme nous l'avons vu, par les différents métiers, ce que l'on appelle l'artisanat local, donc au sein de cette cité qu'est Khaybar. Khaybar était composée de juifs, mais aussi d'arabes, bien que avec l'arrivée des expulsés de Médine, les juifs auront le dessus au sein de la cité de Khaybar, ils seront beaucoup plus nombreux que les arabes eux-mêmes. Et cet homme, Ibn Abi al-Huqayq, qui lorsqu'il est arrivé à Khaybar, il s'est mis à inciter les gens de Khaybar à se mobiliser contre les musulmans. C'était une manière pour lui de reprendre sa revanche, de d'essuyer cet affront et cette humiliation qu'il a subie et qu'ils ont subie lorsqu'ils étaient donc à Médine. Malheureusement, les gens de Khaybar qui vivaient dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la paix, qui n'avait de problème avec personne, qui jusque-là était neutre
dans ce conflit qui opposait d'un côté les musulmans, se trouvant à Médine, de l'autre Quraysh à la Mecque, chacun ayant ses alliés, Khaybar aurait pu rester neutre, aurait pu continuer à se maintenir dans sa neutralité et elle n'aurait jamais eu de soucis. Malheureusement, Khaybar a choisi et a opté pour une autre direction qui est le fait d'afficher ouvertement l'hostilité et ses hostilités envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout envers Médine et les musulmans. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam décide lors du pacte de l'Hudaybiya, qui est un pacte qui permet aux musulmans de souffler un peu. Encore, faut-il savoir que les musulmans ne soufflent pas vraiment parce qu'ils sont toujours mobilisés, sont sur le pied de guerre de jour comme de nuit. Ils vont utiliser ce temps non pas pour se reposer, mais pour se réorganiser, pour essayer de répandre leur message, de profiter de ce temps de paix pour faire connaître leur message. Et en même temps, ils vont régler quelques contentieux qui sont encore en suspens. Et le plus important est celui donc de Khaybar. Il faut savoir que Khaybar en soi était ou peut-être considéré comme étant une cité imprenable. La cité de Khaybar était entourée de forteresses de tous les côtés. Toutes ces forteresses qui ressemblent à des sentinelles militaires représentaient l'avant-garde de la cité. Elle protégeait la cité afin que personne ne puisse donc l'envahir et la saisir. Mais avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Khaybar déclare ouvertement les hostilités, ne cache pas ses motivations de guerre envers les musulmans, le prophète va régler les comptes de cet homme qui est l'instigateur de tous ces problèmes, qui est Salam ibn Abi al-Huqayq. Et d'ailleurs, il va envoyer un compagnon. Qui est ce compagnon? On a cité son nom la semaine dernière? On n'a pas cité son nom. Ce compagnon, c'est Abdullah ibn Atiq. Il va l'envoyer avec un petit groupe, un commando si vous voulez. Il va l'envoyer à Khaybar. Ce qui est étonnant, c'est que le prophète n'envoie pas n'importe qui. Il envoie un commando de choc. Parce que ce commando va réussir à tromper la garde personnelle de Ibn Abi al-Huqayq. Et plus que cela, ce commando va réussir à pénétrer la forteresse dans laquelle est Ibn Abi al-Huqayq, Salam Ibn Abi al-Huqayq, et va l'assassiner. Certains me diront, oui, mais peut-on assassiner en islam? Ça existe? Je vous dirai ici qu'ils sont en guerre. Ils ne sont pas en paix. En paix, on ne peut pas assassiner. Quand deux nations sont en guerre, chacun doit assumer ses responsabilités. Et c'est ce qu'a fait le prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce fait nous rappelle tout à fait le premier fait avec Ka'b ibn al-Ashraf. Pour ceux qui se souviennent, Ka'b ibn al-Ashraf était celui qui a appelé tous les Arabes de la péninsule, y compris également les Juifs, à se mobiliser contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'a pas hésité à envoyer un commando aussi à l'époque pour le tuer, et c'était chose faite. Et en tuant cette tête, il déstabilise tout le reste. Et c'est ce qui s'est passé. En tuant Salam ibn Abi al-Huqayq, qui a appelé les gens de Khaybar à combattre ouvertement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à se mobiliser, à mobiliser tous leurs hommes pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mort est un coup très dur. Pourquoi? Parce que les gens de Khaybar l'ont élu chef de la localité, ce qui n'est pas rien. Alors sa mort va marquer les consciences à Khaybar, mais ne va pas les empêcher de s'organiser pour combattre les musulmans. Normalement, ils étaient censés revenir à leur raison et opter dans l'immédiat pour une neutralité. La mort de cet homme, qui va les déstabiliser dans un premier temps, je le rappelle, qui va créer une certaine peur dans leur rang. Malheureusement, cette mort
ne va pas beaucoup les faire réfléchir. Alors, qui sait me dire qui est l'allié fidèle des gens de Khaybar? Qui est une tribu arabe, qui est un allié fidèle des gens de Khaybar. Qui sait me dire c'est qui? Vous n'avez aucune idée? Je sais. Ouais. Non, non, Banu Nadir, elle s'est installée à Khaybar. Il y a une tribu arabe qui n'est pas juive, qui était le meilleur allié de... Et c'était quand même une puissante tribu. C'était Ratafan. La tribu de Ratafan. La tribu de Ratafan était le meilleur allié. L'allié le plus fiable de Khaybar. Pour plusieurs raisons. Premièrement, cette tribu est une tribu puissante. Est une tribu surarmée. Ils ont beaucoup d'armes, beaucoup de soldats. Ils sont aguerris. Ils sont formés. Ils sont préparés à la guerre. Deuxièmement, cette tribu est polythéiste. Et elle a participé à cette coalition que Quraysh a menée. Donc elle a une expérience contre les musulmans. Troisième facteur, cette tribu est une tribu voisine de Khaybar. Et une partie des terres de Khaybar, une partie seulement des terres de Khaybar, est sous son autorité. Une partie des terres de Khaybar est sous l'autorité de Ratafan. Donc tous ces facteurs-là ont joué dans cette alliance historique qu'il y a entre les gens de Khaybar d'un côté et Ratafan. On va y revenir. Alors, les historiens se sont quelque peu controversés quant à la date ou à la période durant laquelle a commencé cette expédition musulmane contre Khaybar. Il y a plusieurs avis selon nos historiens. Le premier, c'est Ibn Ishaq. Qui se rappelle d'Ibn Ishaq? Qui est-il? Ouais. Est-ce que sa biographie est-elle disponible aujourd'hui? Très bien. C'est laquelle qui n'est pas disponible? Pas d'idée? Je te laisse faire une enquête. Tu me diras, c'est un personnage qui a un lien avec Ibn Ishaq. La semaine prochaine, tu nous donneras une réponse, Inch'Allah. Si tu te trouves, bien sûr, il n'y a pas de problème. Quant à un autre auteur qui est lié à celui-ci. Barakallahu fik. Ibn Ishaq situe cette expédition la septième année de l'Hégire, durant le mois de Muharram. Et on sait très bien que le mois de Muharram, c'est le premier mois du calendrier musulman. Ah, qui sait me citer les mois du calendrier égyrien musulman? Celui qui me les cite sans faute, je lui apporte un petit présent la semaine prochaine. Sans faute, tous. Il y a combien de mois d'abord? 12. Tu es sûr qu'il y en a tous? Ok. C'est quoi ces... Quels sont ces mois? Je veux du premier jusqu'au dernier. Sans faute. Ah bien sûr, par ordre. Si tu ne me les cites pas par ordre, il n'y a pas d'intérêt à les citer. Moi, je veux par ordre. Vous avez déjà le premier, le Muharram, c'est très simple. C'est quoi les autres? Dans l'ordre, hein. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Safar, oui, voilà, Safar, smahli. J'ai entendu autre chose. Continue. C'est quoi la suite? Muharram. Safar.
Continue. Continue. Très bien. Très bien. Très bien. Rajab. Ok. Très bien. Ok. Ok. Non. Ok. Voilà. Ça y est. T'en as cité combien, j'ai? Combien il en a cité? 12. Vous avez Muharram. Très bien, ça va. Donc la semaine prochaine, tu auras un petit présent de ma part. Il y a Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Ula. Et on ne dit pas Jumad al-Thaniya, c'est une erreur linguistique, on dit Jumad al-Akhira. Ensuite, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qi'da et Dhul-Hujja. Ça fait 12 en tout. N'est-ce pas dramatique que nous ne connaissons pas notre propre calendrier? Et d'ailleurs, je vous invite pour connaître l'histoire de cet événement important qui a commémoré le début de l'année de l'Hégire, notre calendrier. Il y a une conférence que j'ai faite il y a plusieurs mois et qui est maintenant sortie, je ne sais pas si elle est arrivée ici. Il y a une conférence qui a été faite au centre, au Merkez. Que j'ai faite qui s'appelle Une page de notre histoire. Elle est maintenant cédée. Je ne vous fais pas de publicité, mais en même temps, je vous dis qu'il est important de se ressourcer auprès de notre histoire, de comprendre notre histoire. Et dans celle-ci, vous allez comprendre d'où vient le début du calendrier égyrien et comment a-t-il été mis en place. Inch'Allah. Donc, ça, c'est le premier avis. Durant Muharram de la septième année de l'Hégire. L'autre avis, c'est celui de Al-Waqidi. Al-Waqidi. Al-Waqidi, je vous le dis en passant, c'est un très grand historien. Mais les savants du hadith, les traditionnalistes, Al-Muhadithun, le considèrent comme étant non fiable, uniquement dans la narration. Riwaya, dans la narration des traditions prophétiques. Tout ce qui touche au hadith, il n'est pas très fiable. Mais dans l'histoire, c'est un maître. Il a même été jusqu'à aller sur place, sur les lieux mêmes où se sont déroulés certains événements, et les a décrits. Il vous décrit les lieux comme si vous y étiez présent. Et c'est pour ça que c'est un maître dans l'histoire. Et des siècles plus tard, au début du XXe siècle, un autre grand personnage de l'islam, qui était poète, qui était journaliste, il était écrivain, c'est un homme de lettres, c'est un Libanais, qui s'appelait Shakib Arsalan, il a fait la même chose. Il est parti vivre en Suisse. Il est en Andalousie. Il a recherché tous les endroits par lesquels sont passés les musulmans. Il est parti au sud de la France, au sud de l'Italie, en Sicile. Et il a réussi à travers un livre qu'il a consacré à l'Andalousie et aux expéditions des Arabes, qui je pense était traduit en français. Il a retracé le parcours des musulmans dans leur expédition dans le sud de l'Europe. Comme si vous y étiez. Et c'est aussi ce personnage qui a joué un très grand rôle dans la Oumma, dans le début du XXe siècle. Il est né en 1869 et est décédé en 1869 et décédé en 1946, après avoir vécu plus de 20 ans donc au Liban. À l'occasion peut-être, nous reparlerons de lui, inch'Allah ta'ala, si vous le voulez. Shakib Arsalan. Alors, Al-Waqidi, quant à lui, il nous dit que cette expédition s'est déroulée durant le mois de Safar ou Rabi' al-Awwal, soit Safar ou Rabi' al-Awwal de la septième année de l'Hégire. Et pour lui, c'est après le retour du prophète de l'Hudaybiyah que cela s'est produit. L'imam Malik, troisième avis, l'imam Malik et l'imam Az-Zuhri,
Et nous avons déjà parlé de Zuhri, nous avons dit qui était Zuhri lors des cours passés, pour ceux qui se souviennent, Mohammed ibn Shihab Zuhri. Quant à lui, il situe cet événement lors de Muharram de la sixième année de l'Hégire. Alors les avis les plus proches, ce sont les deux premiers. Les avis les plus proches de la réalité sont les deux premiers, celui d'Ibn Ishaq et de Al-Waqidi, même si Ibn Hajar, le commentateur de Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar quant à lui a penché et a tranché en faveur du premier avis qui est celui d'Ibn Ishaq. En tous les cas, le plus proche de la réalité, c'est l'un des deux avis. Et sachant qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, si ce n'est de quelques mois, pratiquement un mois on peut dire. Donc de ce fait, vous savez maintenant un peu ce qu'il en est. Ça c'est pour situer la période durant laquelle a commencé cette expédition. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décidé avec son armée de se diriger vers Khaybar. Il se dirige vers Khaybar lui-même, et j'avais expliqué lors de cours passés, il y a longtemps avant l'été, qu'il y avait une différence entre ce qu'on appelle Al-Ghazwa et Al-Sariya. Qui se rappelle de la différence entre Al-Ghazwa et Al-Sariya? En français, malheureusement, on ne sait pas faire de différence, parce qu'en français, on appelle ça expédition. Mais en arabe, on distingue les deux. Alors, qui sait me dire quelle est la différence entre Al-Ghazwa et Al-Sariya? Très bien. Eh bien, aussi, Inch'Allah, tu auras droit à une petite présence la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fik. Al-Ghazwa et Al-Sariya. Al-Ghazwa, c'est l'expédition à laquelle participe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. C'est lui qui dirige. Al-Sariya, c'est l'expédition qu'il envoie. Il ne participe pas lui-même, il l'envoie. D'accord? Alors, les musulmans, et à leur tête, le prophète s'oriente vers Khaybar, vers les forteresses de Khaybar, les forteresses imprenables de Khaybar. Et, chose assez surprenante, cette armée musulmane est au fait de sa puissance. Les musulmans ne se sont jamais sentis aussi forts qu'à ce moment-là. Une armée très disciplinée que l'Arabie n'a jamais connue de sa vie. Très bien organisée. Ce que les Arabes n'ont pas connu non plus dans le passé. Bien ordonnée. Et au-dessus de tout cela, cette armée qui est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est forte par sa foi, avant qu'elle le soit, par ses armes et par son chef qui la dirige. Ses soldats marchent en chantant à voix haute la gloire d'Allah Azza wa Jal. Donc ils font le takbir, Allahu Akbar, à voix haute, La ilaha illallah à voix haute, et ils le crient très fort en marchant. Alors je vous laisse imaginer, lorsqu'ils ont approché Khaybar, la peur qui a envahi les cœurs des gens de Khaybar. Quand ils entendent de loin, avec l'écho et le vent du désert qui transporte cet écho de ces voix qui s'élèvent dans le ciel, ils ont pris peur. Mais malgré tout, c'est à ce moment-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va leur enseigner une bienséance du dhikr, de l'évocation et de l'invocation d'Allah Azza wa Jalla. C'est à ce moment-là qu'il va leur enseigner. Il va leur dire « Irba'u ala anfusikum ». Calmez-vous. Vous n'êtes pas en train d'appeler ou d'interpeller ni un sourd, ni quelqu'un qui est lointain, parce qu'Allah Azza wa Jalla est très proche de vous. Et ainsi, il enseigne aux musulmans de ne pas élever leur voix dans leur dhikr, dans leur dua.
Et ça, c'est une éthique qu'on a perdue aujourd'hui aussi. Pendant Taraweh, lorsque l'imam fait les invocations, dans le Qunut, vous entendez le Amin de celui qui est au dernier rang. Il se met à crier. C'est tout à fait opposé à ce que le prophète enseignait. Même les pleurs. Souvent, il y a des frères qui, alhamdoulilah, ont le cœur sensible, et c'est un bien. Lorsqu'ils entendent certains versets ou bien certaines invocations qui les touchent, ils se mettent à pleurer. Mais certains crient en pleurant. Ça, c'est pas bon non plus. Il y a deux comparaisons qui ont été faites quant aux pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Il y a deux images qui ont été données. La première, ils ont dit, ça ressemble au bruit que provoque ou au son que provoque la marmite qui est en train de bouillir. L'autre comparaison, c'est le bourdonnement d'abeilles. Ce qu'on appelle en arabe Dawiyun Nahl. Donc les musulmans, les compagnons, le prophète, lorsqu'ils pleuraient, ils avaient soit cette description-là, on dirait qu'on a affaire à une grande marmite qui est en train de bouillir, ou alors c'est l'équivalent d'un bourdonnement d'abeilles. Jamais les compagnons criaient en pleurant, jamais. Adaban ma'Allah. Par éthique et par respect de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Idem ici, dans le dhikr, dans cette évocation, le prophète leur apprend de ne pas crier. Pourquoi vous criez? Il ne faut pas crier. Allah vous entend, ça ne sert à rien de crier. Il vous entend et il est plus proche que vous, plus proche que ce que vous imaginez. Donc ici, le prophète, et c'est important ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam saisissait toutes les opportunités pour éduquer et enseigner. C'est ce qu'on appelle at-tarbiyatu bil mawqif. L'éducation sur le terrain. L'éducation chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. L'éducation chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement au cours. Lorsqu'il y a une assemblée dans la mosquée. Tous les moments sont bons pour l'éducation. Un voyage, un repas, un événement, une bataille, une rencontre. Tous les événements sont bons pour passer un message d'éducation à ses compagnons. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on a perdu ça. Aujourd'hui, on a créé une scission entre, d'un côté, notre vécu social, notre vécu au quotidien, et d'un autre côté, le savoir. Il y a des gens qui viennent suivre des cours, alhamdoulilah, qui participent à des conférences, qui assistent à des sermons, à des colloques, à des séminaires, ils apprennent, ils emmagasinent une série de connaissances, ils profitent d'un certain savoir, mais lorsqu'ils quittent les lieux mêmes, bien sûr, sauf ceux à qui Allah a accordé sa grâce et sa clémence, ce savoir n'a plus d'impact sur leur comportement, sur leur conduite. On dirait que cette assemblée ou que cette éducation s'est confinée uniquement dans des assemblées. Ça, il faut changer. L'éducation prophétique était une éducation constante. C'est une éducation de mouvement. Partout où il éduque. Partout. En voyage. Résident. En bataille. En temps de paix. Dans toutes les situations, il n'hésite pas à éduquer. Et c'est comme ça qu'on a eu la meilleure génération de l'islam. C'est comme ça qu'on a vu que l'islam a imprégné le vécu de ces hommes et de ces femmes, leur vécu sur tous les plans. Ils ne sont pas seulement pieux et vertueux à la mosquée, ils le sont même à l'extérieur de celle-ci. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur apprend qu'Allah Azza wa Jal est Samir Qarib. Il entend et il est proche de vous. Bien entendu, proche par sa connaissance. Ça, je pense que c'est une chose claire en soi. Alors, lorsque le prophète arrive à Palan de Khaybar,
Et nous avons dit là tout à l'heure que Khaybar était bien protégé. C'était vraiment, nous pouvons la qualifier comme étant une cité imprenable ou une citadelle imprenable. Elle était entourée de ce qu'on appelle en arabe al-husoun. Al-husoun ou al-qila', les deux termes sont identiques, ce sont les forteresses. Des forteresses qui entourent donc la ville. Et ça, bien sûr, c'était un usage qui était présent dans toutes les nations. Les Romains l'ont fait aussi, les Grecs également, les Perses aussi. Tous les peuples du monde ont pratiqué cette politique de protection des grandes villes, ou du moins des villes stratégiques. Et d'ailleurs, si vous êtes dans certains pays, musulmans ou non, et que vous visitez donc des vestiges, vous allez voir des forteresses qui sont encore existantes et qui servaient à protéger la cité de toute attaque étrangère. Allah Azza wa Jal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en marche vers Khaybar, plusieurs versets sont descendus dans la sourate Al-Fath, la sourate la libération, l'ouverture, plutôt la libération pour ne pas confondre avec Al-Fatiha qu'on appelle souvent l'ouverture, donc la sourate de la libération Al-Fath. Dans ces versets, Allah Azza wa Jal promet au prophète sallallahu alayhi wa sallam non seulement une grande victoire, mais aussi beaucoup de butin. Un très grand butin. Et vous pouvez d'ailleurs vous référer à ces versets qui se trouvent dans les versets 18 à 21 de la sourate Al-Fath, la sourate de la libération. Quelle a été la stratégie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il arrive, lorsqu'il est venu vers Khaybar? Il faut savoir que les services de renseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très efficaces. Ils lui ont communiqué en détail, ses indicateurs et ses agents lui ont communiqué en détail l'emplacement des différentes forteresses, la cité, comment elle est protégée. Et ça va lui permettre de mettre en place une stratégie efficace pour assiéger et attaquer la ville. Regardez comment le prophète, il y a une grande leçon ici, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à ses hommes l'obligation de s'organiser, de mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre notre but. Il aurait pu se dire, je suis prophète. Quoi qu'il arrive, la victoire, nous la verrons à l'horizon. Eh bien non. Parce qu'ici, de nouveau, il est en train d'éduquer. Il n'y a pas de victoire miracle. La victoire miracle, elle existe, elle n'existe qu'après que les musulmans aient mis en œuvre tous les moyens possibles pour parer et affronter l'ennemi. Après, le miracle peut venir, mais pas avant. Et c'est pour ça que le colonisateur français et anglais, lorsqu'ils ont attaqué donc l'Orient et le Maghreb, certains musulmans ont pensé qu'il fallait pas trop se prendre la tête, il fallait se réunir à la mosquée, lire Sahih al-Bukhari, prier toute la nuit, et les chouurs de l'époque disaient, ne vous inquiétez pas, en lisant le Bukhari entier, toute la nuit, demain on aura la victoire. C'était comme ça. Sans parler d'autres superstitions qui sont intervenues à ce niveau-là, eh bien, ce n'était plus une victoire, c'est que tout simplement, ce territoire et ce terrain sur lequel ils étaient, le lendemain, il était déjà pris. Il était pris par l'ennemi, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune résistance devant eux, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Et c'est comme ça que les musulmans ont reçu des gifles, ont été humiliés, parce qu'ils n'ont pas, ils ont oublié cette leçon très importante que leur a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers toutes les expéditions, toutes les batailles, c'est d'être bien organisé. De s'en remettre à Allah Azza wa Jalla, de ne craindre que lui, de ne pas craindre l'ennemi, de ne craindre que lui, d'éviter la guerre au maximum, sauf si on y est poussé. Et c'est pour ça que le prophète disait, il disait, la tatamanna liqa al-adou, ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi. Regardez, il faut éviter la guerre au maximum, sauf lorsqu'on n'a pas le choix. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
وَإِذَا لَقِيتُمُهُمْ فَثْبُتُوا. Ne souhaitez pas rencontrer l'ennemi, mais si vous les rencontrez quand même, soyez fermes dans vos positions. Ne paniquez pas, ne faites pas marche arrière. Soyez raffermis dans vos pas. Alors, le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la direction du nord, du nord-est de Khaybar. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il va frapper en premier lieu. Il va frapper en premier lieu pour couper tout renfort entre Khaybar et les tribus du nord. Et aussi le Shem. Le Shem, donc la Syrie, la Jordanie, qui appartenait à l'Empire byzantin, il était question d'empêcher le moindre renfort, donc du côté du nord. Sachant, comme je l'ai dit là tout à l'heure, que le meilleur allié des tribus des gens de Khaybar était Ratafan, et Ratafan se trouvait au nord, et plus précisément au nord-est de Khaybar. Donc il fallait faire en sorte de couper les lignes d'approvisionnement et de renfort. Dans le jargon militaire contemporain, on appelle ça les lignes arrière. Les lignes arrière, il faut les couper. Si tu coupes les lignes arrière, eh bien tu asphyxies ton adversaire. Alors vous voyez ici la stratégie. Dites-moi franchement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas un fin stratège militaire? Il aurait pu dire, on attaque par n'importe quel endroit. Non. Il va attaquer l'endroit le plus sensible parce qu'il veut parer aux étapes futures. Il se peut qu'en attaquant ailleurs, Ratafan va peut-être intervenir, d'autres tribus du Nord aussi. Et c'est là que les musulmans risqueraient de subir un revers. Eh bien non. On va attaquer vers le Nord-Est pour isoler Khaybar du Nord et empêcher ainsi donc leur meilleur allié Ratafan de pouvoir intervenir. Et ça, c'est une stratégie très bien réussie, croyez-moi. Il serait intéressant qu'un jour, un auteur ou un chercheur puisse, à travers la biographie prophétique, puisse en déduire la pensée militaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce serait bien un jour de voir un livre qui parle de stratégie militaire que le prophète appliquait et de la comparer avec les différentes stratégies qu'il y a eu durant l'histoire. Ce serait intéressant, croyez-moi. Ce serait une étude intéressante. Donc, enfin, bien sûr, la personne qui va faire ça, il faut quand même qu'elle ait un bon bagage dans ce qu'on appelle les sciences militaires, autrement dit, l'art de la guerre, pour pouvoir comparer ce que nous, à notre niveau, nous ne sommes pas capables, bien sûr, de faire, ce qui est logique. Donc, respectons les compétences de chacun. Mais je pense que ce serait une idée assez intéressante de pouvoir faire cette comparaison. Voilà que, avec la première attaque, les forteresses vont commencer à tomber les unes après les autres. Mais dans un ordre bien précis. Et même l'ordre est choisi par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un ordre stratégique. Alors, la première zone de Khaybar qui va tomber entre les mains des musulmans, c'est une zone qui s'appelle An-Nata. La zone de An-Nata. La zone de An-Nata comporte deux forteresses principalement. Il y en a d'autres, mais les plus importants, deux. Ces deux forteresses, c'est Na'im et As-Sa'b. As-Sa'b qui veut dire difficile, mais en fait, il ne porte que son nom, c'est tout. Parce que pour les musulmans, il n'était pas si difficile que ça. Même s'il y a eu résistance de la part de ceux qui l'occupent. L'autre zone qui comporte aussi des forteresses, c'est une zone qui s'appelle Ash-Shaq. Et celui-ci, ou celle-ci, cette zone, comportait principalement deux grandes forteresses. La première, Obey. Première forteresse, Obey. Et l'autre, An-Nazar. Obey et An-Nazar. Et à titre indicatif, les deux zones, An-Nata
et l'autre Ash-Sharq, toutes les deux se situent, regardez la stratégie prophétique, toutes les deux se situent au nord-est de Khaybar. Donc si elle tombe, les musulmans coupent directement les lignes arrière qu'il y a entre Khaybar et Ratafan, et Ratafan ne sait plus rien faire. Les bases arrières, si vous voulez. Aussi, parmi les zones militaires avancées de Khaybar, vous avez Al-Katiba. Al-Katiba. Al-Katiba, qui en arabe veut dire le bataillon. Al-Katiba. Et là, il y a une forteresse principale qui va tomber et qui va faire très mal. C'est la forteresse de Al-Qamous. La forteresse de Al-Qamous, avec Saad, bien sûr. Pas Al-Qamous, parce que Al-Qamous, en arabe, c'est le dictionnaire. Al-Qamous avec un son long, le A avec un son long, c'est un dictionnaire. Ici, c'est Al-Qamous. Et Al-Qamous, c'est la forteresse qui était occupée par ce chef de Banu Nadir qui a été tué par les musulmans, Ibn Abil Huqayq. Donc ici, ils ont affaire à deux chocs psychologiques. Le premier, c'est la mort de leur chef. Et deuxièmement, parmi les premières forteresses qui tombent, c'est la sienne. Donc Al-Qamous. Parmi les zones aussi qui tomberont, la zone de Al-Watih. Al-Watih, c'est une autre zone qui va tomber. Et ici, Al-Waqidi, qui a décrit en détail les différentes forteresses, ne nous donne pas le nom de la forteresse qui tombe, mais nous dit qu'il y a une forteresse qui est quand même tombée. Et aussi, une autre zone militaire avancée, As-Salalim. As-Salalim. Qui sait me dire, As-Salalim, ça veut dire quoi? Qui sait me dire ce que signifie As-Salalim? En arabe, que signifie As-Salalim? Quelle idée? Que veut dire As-Salalim? Oui. As-Salalim, c'est le pluriel de As-Sulam. As-Sulam. En arabe, c'est l'échelle. As-salalim, ce sont les échelles. Très bien. As-salalim, les échelles. Là aussi, ça va tomber. Après vous avoir donné un aperçu des différentes forteresses qui sont tombées, des différentes zones militaires avancées, il y a une question intéressante. Quand l'attaque musulmane a commencé, à quel moment? Pendant la journée, le soir, au petit matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit toujours les meilleurs moments. Il choisit les meilleurs moments. Ils sont arrivés dans les environs de Khaybar avant la prière de l'aube, la meilleure des prières. La meilleure des prières. Ils ont prié Al-Fajr, l'aube, pas loin de Khaybar. Et dès que le soleil a commencé à manifester sa luminosité, ils ont attaqué. Et lorsqu'ils ont attaqué, au moment où ils arrivaient, ils ont. Comment? Non, ils ne prenaient pas leur petit déjeuner, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, les habitants, les juifs et les habitants de Khaybar, les paysans sortaient pour aller vers leurs champs. Avec leurs faucilles, leurs bêtes, leur matériel, ils se rendaient pour travailler. Et qu'est-ce qu'ils voient arriver? Ils voient arriver une grande armée qui marche vers Khaybar, et ils ont été pris de panique. Et lorsque le prophète a approché, il a lancé un cri de guerre. Inna idha nazanna bi ardi qawmin fasa'a sabahul mundharin. Lorsque nous arrivons sur la terre d'un peuple ennemi, eh bien malheur à la journée,
de ceux qui ont été avertis. Cri de guerre que le prophète lançait à voix haute, afin que ces gens entendent. Et c'était la panique. Je vous laisse imaginer un instant le cahu-bahu qu'il y a eu à ce moment-là, le désordre qui s'est installé. Ils ont lâché tout leur matériel. Ils se sont mis à fuir dans tous les sens. La panique s'est installée au sein de Khaybar. L'armée musulmane arrive. L'armée musulmane marche sur Khaybar et ils la voient de leurs propres yeux. Alors, c'est un choc psychologique terrible pour eux. Et malgré tout, ils vont penser, regardez, ils vont penser que leur forteresse ou que l'armée musulmane va se fracasser auprès des forteresses qu'elle ne pourra pas pénétrer. Le temps de digérer la pilule du choc psychologique, ils vont se reprendre en se disant, mais de toute façon, ils ne peuvent rien faire contre nous. Ils ne peuvent rien faire, pourquoi? Parce que la cité est bien protégée par ses forteresses solides, avec des soldats aguerris, bien formés, qui la défendent. C'est pas possible. C'est ce qu'ils disent, mais ils vont voir. C'est vrai, il faut leur reconnaître une chose, c'est que ces soldats de Khaybar se sont battus avec beaucoup de courage, avec beaucoup de témérité. Et c'est vrai que certaines forteresses, les musulmans ont eu du mal à la conquérir. Mais ils ont oublié une chose, c'est qu'à l'avant-garde de l'armée musulmane, il y a des hommes aussi braves que ceux qui sont à l'intérieur de Khaybar. Et dans quelques instants, on va en citer un seulement. Ils sont plusieurs, il y en a un qui va bien se faire remarquer parmi les musulmans. Vous allez voir. Alors, face à ces situations dramatiques, ils se sont cachés dans leur forteresse, dans le but d'être sauvés. Et Ratafan va essayer de prêter main forte aux musulmans, mais subhanallah, les musulmans n'ont pas encore conquis les forteresses du nord-est qui coupent la ligne arrière avec Ratafan, que Ratafan est dans l'hésitation et n'ose pas intervenir. Pourtant, c'est son allié. Vous savez pourquoi Ratafan n'ose pas intervenir alors qu'il s'apprêtait à y aller? Parce que Ratafan a eu peur que s'il intervient, que s'il s'accroche avec les musulmans, après Khaybar, ce sera leur tour. Donc si Khaybar tombe, ben les musulmans ne s'arrêteront pas là. Ils iront droit vers Ratafan. Et c'est ce que craignait Ratafan. Regardez la panique qu'a créée et qu'a provoquée l'avancée de cette armée musulmane prophétique. C'est terrible. Alors, le premier accrochage va se produire auprès de la forteresse de Na'im, qui se trouve dans la zone militaire An-Nata, qu'on a cité là tout à l'heure, au nord-est donc de Khaybar. Le premier à porter le drapeau et à mener le premier choc, c'est Abu Bakr, radiallahu anhu. Mais Abu Bakr ne va pas réussir à faire craquer, à faire céder. Il ne va pas réussir à faire céder, subhanallah. Pendant 2 jours de suite, il va revenir à chaque fois. Il va revenir à l'attaque à chaque reprise, mais rien à faire. Elle est solide. Il y a des soldats courageux à l'intérieur qui se battent pour défendre leur ville. Alors le soir même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit son armée et son état-major. Et quelle parole incroyable qu'il va dire. Il dit, demain matin, je vais donner ce drapeau, le drapeau du premier corps expéditionnaire qui a été mis en avant. Je vais donner ce drapeau à un homme qui aime Allah et son messager et qu'Allah et son messager l'aiment. Et que cette forteresse tombera entre ses mains. Et le prophète est se retiré sous sa tente. Alors un grand débat public est né entre les musulmans. C'est qui cet homme qui demain aura l'honneur de recevoir de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce drapeau, cet étendard? C'est qui cet homme qui est aimé par Allah Azzawajal et son messager? Qui est cet homme qui aime Allah et son messager? Nous aimons tous Allah et son messager. Alors un grand débat public va naître entre les musulmans, les compagnons. Certains vont dire non, on pense que c'est un de Badr.
Un autre dira non, c'est un de Uhud. Et le débat sera interminable. Le prophète ne dira rien, sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'au petit matin. Au petit matin, masha'Allah, il convoque Ali ibn Abi Talib. Le problème, c'est qu'Ali ibn Abi Talib, à ce moment-là, était malade. Il avait un problème aux yeux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va lui souffler dans ses yeux. Et certains disent, va lui cracher dans les yeux. Et bien sûr, on sait que tout ce qui sort du prophète sallam est béni, il y a la baraka dedans. Il va lui guérir les douleurs qu'il avait à ses yeux et lui donne le drapeau entre ses mains. Tiens. C'est toi qui mèneras l'expédition. C'est toi qui mèneras maintenant, au troisième jour du siège de la forteresse de An-Na'im, c'est toi qui vas mener l'expédition. Dans ce fait, il ne faut pas en tirer une critique d'Abou Bakr. Non, Abou Bakr a fait ce qu'il pouvait faire. Et c'est vrai, il était difficile de prendre cette forteresse, très difficile. Mais regardez ici ce qui est important, il y a un message de communication que le prophète passe à ses musulmans. Parce que c'est normal, au bout de 2 jours, les musulmans, chaque fois ils repassent à l'attaque, ils n'arrivent pas à la prendre. Les musulmans sont des êtres humains aussi. Et j'ai aussi peut-être frappé d'une certaine faiblesse en se disant, tout compte fait, on ne pense pas pouvoir la prendre. Et bien ici, le prophète va les booster. Il va leur donner une énergie. Il va leur donner cette confiance et cette certitude de l'yaqin que la forteresse de Na'im tombera lorsque le drapeau sera entre les mains de ce compagnon qui est Ali ibn Abi Talib. Alors le prophète fera une recommandation à cet homme. Parce que, en fait, Ali ne sait pas par quoi commencer. Est-ce que je les attaque directement ou bien je fais autre chose? Alors c'est là que le prophète lui dit, si tu y vas, ala rislik, vas-y doucement. Et la première chose à laquelle tu vas les appeler, c'est la shahada. Qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et que Muhammad est son messager. Eh bien, s'ils te répondent, leur bien, leur personne, leur sang deviennent inviolables, deviennent sacrés. Sauf s'ils ont des droits. Sauf s'il y a des droits qu'ils devront s'en acquitter. Et leurs intentions reviennent à Allah Azzawajal, wa hisabuhum ala Allah. Et ensuite, le prophète de lui dire cette très belle parole, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. Je jure par Allah, si Allah Azzawajal guide par ton intermédiaire une seule personne, cette personne que tu auras guidée est meilleure que tous ces chameaux à la peau rouge. Qu'est-ce que ces chameaux à la peau rouge? C'est pas pour rouge des Indiens, hein, ça n'a rien à voir. C'est quoi ces chameaux à la peau rouge? Les chameaux à la peau rouge, on les appelle en arabe humur al-na'am. Al-na'am, c'est les chameaux. Al-humur, c'est rouge. C'était des chameaux que les Arabes aimaient beaucoup. C'était les Rolls-Royce de l'époque, les Ferrari de l'époque. Ces chameaux-là coûtaient très cher. C'était des chameaux de luxe. Les Arabes se disputaient pour les avoir. Pour les acheter, surtout ceux qui en avaient les moyens. Alors regardez ce que dit le prophète sallam Ali. Que le fait qu'Allah guide par ton intermédiaire une seule personne de ces gens-là de Khaybar, qu'il puisse être guidé à l'islam, est meilleur que tous les chameaux à peau rouge que tu peux gagner et acquérir. Et ici on constate que le prophète sallam Ali, malgré qu'il a monter toute une armée, malgré qu'il y a toute une armée qui est aux portes de Khaybar, qui a déjà livré plusieurs assauts contre la cité, malgré tout, il garde l'espoir et espère, pourquoi pas, éviter une guerre totale avec ces gens-là, et que ces gens-là finissent par accepter son témoignage, par accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu, par accepter que Mohammed est son messager, et ainsi ils éviteront
l'effusion du sang. Mais malheureusement, Ali ibn Abi Talib qui va s'avancer vers Al-Na'im, vers cette forteresse, qui va inviter ces gens à l'islam, il va essuyer un refus catégorique. Parce que ce sont des hommes qui ne veulent rien savoir, qui veulent se battre jusqu'au bout. Et après un combat acharné, voilà que Ali ibn Abi Talib pénètre la forteresse avec ses hommes. Et la chute de la forteresse de Na'im était une défaite cuisante pour les tribus juives de Khaybar, pour les gens de Khaybar. Et c'est le début de la débâcle. C'est le début de la dégringolade pour eux. Parce que lorsque Na'im est tombé, le reste est très difficile à assumer. En fait, la chute de la forteresse de Na'im a déstabilisé les gens de Khaybar. Il y aura un martyr. Un homme qui s'appelle Mahmoud ibn Salama al-Ansari. Alors qu'il escaladait la forteresse, il sera tué par l'un des plus grands combattants des Juifs de Khaybar, un homme qui s'appelle Marhab. Marhab, qui à son tour sera tué par Ali ibn Abi Talib. Et ça aussi, c'est un coup dur pour eux. C'est l'un de leurs meilleurs soldats, l'un de leurs meilleurs commandants à la tête de cette forteresse qui tombe au front également. Et voilà que cette cité tombe entre les mains des musulmans et le siège de Na'im a duré combien de temps? En tout et pour tout. Parce que ça ne s'est pas fait au lendemain directement. Il y a eu un siège quant à la forteresse de Na'im. Qui sait me dire combien de temps ça a duré? Non, plus. Non, non, 10 jours. Il y a eu des combats, combats sur combats. Mais tous ces combats se sont terminés par la victoire et par l'entrée de Ali ibn Abi Talib au sein donc de cette forteresse. Et le fait que ça prenne autant de temps, ça prouve à quel point ces hommes-là qui combattent au sein de la forteresse sont des soldats bien formés, bien aguerris, courageux aussi. Et deuxièmement, ça prouve à quel point cette forteresse était solidement protégée et gardée. Après ça, c'est une autre forteresse qui va tomber, c'est celle de Sa'b. Et Sa'b, elle sera beaucoup plus fragile que Na'im, car elle tombera au bout de 3 jours de combat. Mais le grand avantage qu'auront les musulmans, c'est que Sa'b est rempli de nourriture, d'armes, de vêtements et de matériel. Alors que les musulmans ont très faim. Il fait très chaud. Ils sont très fatigués. Et lorsqu'ils ont pris ça, là aussi c'était un coup très dur. Parce qu'il y avait ici des provisions qui peuvent servir aussi pour les autres forteresses. Et bien voilà que tout tombe entre les mains des musulmans. Et vous savez combien de combattants il y avait au sein de Sa'b? Cette forteresse, qui pourtant n'a pas tenu longtemps, 3 jours, par rapport à l'autre qui a tenu 10 jours, la forteresse de As-Sa'b possédait en son sein 500 combattants. C'est pas rien, 500 combattants. 500 combattants qui vont se battre d'une façon courageuse et brave, et pourtant, elle tombera entre les mains des musulmans. Et le chef de l'expédition, c'est qui? Non, ce n'est pas Ali. Ali, il a fait tomber Na'im. Pour Sa'b, la forteresse de Sa'b, le chef de l'expédition, c'est un commandant qui avait un courage impressionnant, qui est très peu connu, et c'est pour ça que je vais demander à l'un d'entre vous de lui consacrer une biographie, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Il s'appelle Al-Hubab ibn al-Mundhir. Al-Hubab ibn al-Mundhir
il va se battre, il y aura des combats violents entre les musulmans et meurtriers entre les musulmans et les gens de Sa'b. Et cet homme, Al-Hubayb al-Mundhir, va mener ces batailles avec force, avec vivacité, jusqu'à la faire plier. Qui sait me dire, ou qui est prêt plutôt, pardon, qui voudrait s'occuper de la biographie prochaine de Al-Hubayb ibn al-Mundhir, qui se propose de faire une petite recherche. Très bien. Tu veux la faire, Inch'Allah, Suleiman ? Barakallahu fik. Donc, Issa, tu retiens ? Ok ? Très bien. Donc, Inch'Allah, Suleiman, Issa, nous fera la biographie de Al-Hubayb al-Mundhir pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Très bien. Alors voilà que ces différentes forteresses tombent les unes après les autres et toute la zone de An-Nata va tomber. Il faut savoir une chose importante, c'est que An-Nata particulièrement était située en hauteur. Elle était située en hauteur et c'était la zone militaire la plus difficile et c'est là qu'il y a eu les combats les plus acharné et les plus violents entre les musulmans et les gens de Khaybar. Vous savez pourquoi, je suppose. Pourquoi Yusri, il y a eu des combats acharnés, violents, là plus qu'ailleurs. Pourquoi? La zone de An-Nata, là où il y a la forteresse de Na'im ainsi que Sa'b et d'autres. Mais justement, pourquoi c'est plus difficile? Pourquoi elle était la mieux gardée? Pourquoi? Et plus que ça, elle était, oui, c'est vrai, mais pourquoi? Non. Oui, elle était en hauteur, c'est vrai que ça joue aussi, mais il y a un autre élément important. Elle se situe à l'arrière-garde de la cité de Khaybar. Et Ghatafan est juste derrière. Alors si cette zone militaire tombe, si elle résiste, Ghatafan peut toujours acheminer des renforts, des provisions, mais si elle tombe, c'est fini. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus, parce qu'ils savent très bien que si leur forteresse tombe, il n'y a plus de renforts. Si elle tombe, Khaybar est asphyxié. Et les musulmans ici vont user d'une stratégie assez subtile, sachant qu'elle est en hauteur, il y a de l'eau. Il y a une sorte de cours d'eau, si vous voulez, qui arrive vers An-Nata. Les musulmans vont couper cette eau. Ils vont bloquer l'eau. Et lorsqu'on bloque l'eau, ils ont besoin d'eau. Déjà pour eux-mêmes, pour se rafraîchir, etc. Et en bloquant l'eau, en bloquant l'arrivée de l'eau, ils vont pousser les soldats de cette zone militaire en hauteur à descendre vers l'Obaï et à combattre. À descendre de leur forteresse et à combattre en face à face, donc les musulmans. Alors, est-ce que ce ne sont pas de fins stratèges? Regardez la stratégie militaire, regardez jusqu'où les musulmans, jusqu'où ils l'ont développée. Ils ont usé d'une série de subtilités pour pouvoir mettre à genoux. Alors que c'était difficile parce que ça a duré pratiquement 10 jours. Chose grandiose. Eh bien voilà donc ici la chute de Nata. C'est important à retenir la chute de Nata. Avec tout ce qu'elle possède comme provisions, comme armes, comme vêtements, comme matériel, va être le début de la débâcle pour tout le reste. Parce que les autres forteresses vont toutes tomber les unes après les autres, beaucoup plus rapidement que celle de An-Nata. Et c'est ici, Inch'Allah, qu'on va arrêter ce cours. Et la semaine prochaine, on verra, Inch'Allah, comment certaines forteresses vont demander au prophète, sallam, d'arrêter les combats.
et de trouver un arrangement. Et c'est de là que va naître un concept de stratégie militaire que je vous laisse découvrir la semaine prochaine, Inch'Allah, qui est ce qu'on appelle l'ouverture par la force, ou alors la cessation de la cité ou du territoire par pourparler et par accord. Tout ça, on va voir ça, Inch'Allah, au cours prochain, Inch'Allah. Voilà, donc je vous avais parlé la semaine dernière d'un livre, et c'est avec ça que je voudrais terminer, Inch'Allah, le cours, d'un livre de celui que nous pouvons considérer avec beaucoup de fierté. En ces temps, les musulmans manquent de fierté. Cet homme est considéré, l'auteur de ce livre que je vais vous montrer maintenant, il est considéré comme le père fondateur de la sociologie et aussi de la philosophie de l'histoire et de la critique de l'histoire. Ce n'est autre que Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun a écrit Al-Muqaddima, et je vous avais dit la semaine dernière qu'il était traduit en français par un orientaliste qui s'est converti plus tard à l'islam, Vincent Monteil, qui s'est dénommé par après Mansour Monteil. Voilà son livre, c'est celui-ci. Donc, faites pas attention à l'image, ce n'est pas lui, ce n'est qu'un dessin. Donc ça c'est lui, enfin c'est son livre, pardon. Je me suis fait prendre mon propre piège. Ibn Khaldoun, Discours sur l'histoire universelle, Al-Muqaddima. C'est un livre fabuleux, passionnant, et c'est la meilleure édition qu'il y ait. C'est celle de Sindbad. Vous pouvez le trouver ici, je ne sais pas s'il est trouvable, mais en tout cas à Paris, en France, vous le trouverez très facilement dans les librairies dites islamiques là-bas. Et donc, il est bien plus meilleur que l'édition qui a été citée, évoquée la fois passée via le Paltalk, donc l'édition de Dar al-Kutub al-Ilmiya. Celui-ci est bien plus meilleur, car c'est un orientaliste formé, qui maîtrise la langue arabe, il l'a traduit, il l'a annoté. Donc, je vous conseille, Inch'Allah, de lire ce livre en attendant de maîtriser l'arabe, car en arabe, je vous garantis que le texte est bien plus meilleur, sachant que ce qui m'a prouvé que l'auteur maîtrise, même les poésies et des poèmes qu'a cité Ibn Khaldoun. Ici, ce personnage, c'est le traducteur, non seulement il les a traduits, mais il les a fait rimer aussi. Quelqu'un qui réussit à traduire une poésie arabe, il l'a traduit en français et il l'a fait rimer, ben c'est qu'il maîtrise. Rien à dire, il maîtrise. Ça, c'était pour le livre d'Ibn Khaldoun. Et on se verra, Inch'Allah, pour le cours prochain, Inch'Allah ta'ala. Et maintenant, nous allons, bien entendu, accomplir la prière de l'Aïcha, Inch'Allah. Barakallahu fikoum, et salam alaikum wa rahmatullah.